avec cette fois-ci un replay de Cachot, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des replays de Zorgab, on en a marre de voir Zorgab, hein. Et du coup, on va voir un petit peu ce qu'il arrive à faire. Alors, il commence tranquillement avec un Kunbolt pour nettoyer et aller dans cette zone-là, arriver à prendre l'extracteur d'élixir noir. Voilà, il y arrive tranquillement. Ensuite, il va s'occuper de cette zone pour avoir également cet extracteur. Il faut savoir que là, il finissait aussi son défi des béliers de combat avec les barbares. Hein. Voilà, il nous fait un joli trou. Et il déploie ses géants pour tanker avec des petits sorciers derrière et les fameux billets de combat. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai pas été très convaincu. Ça marche peut-être bien sur Clash Royale, mais sur Clash of Clans, c'est pas vraiment ça. Voilà, maintenant il essaye d'avoir le troisième extracteur de l'élixir noir qu'on voit ici en haut à droite. Il faut plus qu'essayer d'ailleurs. Il réussit. Bon, après là, dans la zone du milieu, c'est quand même hyper concentré en def à sa sorte. Donc ça n'aura pas été plus loin. Mais quand même, un très très beau butin. 4000 élixirs noirs, on trouve pas ça à chaque poche. Sans compter qu'il y a un peu d'or, un peu d'élixir rose. Non, non, une attaque très complète. Vraiment, cet anniversaire de Clash of Clans là nous permet de tomber sur des villages peu communs, avec beaucoup de ressources, et ça fait toujours plaisir. Voilà, félicitations à toi, Cachou. Et à la prochaine pour le prochain. Salut les Powers!